I want to see you dance on the blood-dimmed tide. From the creator of The X-Files. The killer doesn't see the world like everyone else. How does he see it? Differently. Comes the most anticipated new show of the year. Tell me how you know. I see what the killer sees. It's my gift. It's my curse. The end of the world oh, is closer oh. than you think. This is prophecy! This is the way it ends! Millennium. This fall on Fox. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Watchlist, l'émission qui vous parle séries télé de science-fiction, fantasy et fantastique. Ici Guillaume et je vous propose aujourd'hui de découvrir ou redécouvrir la série Millennium créée par Chris Carter, le papa de The X-Files. Diffusée entre 1996 et 99 sur la Fox, en 1998 sur France 2 et disponible aujourd'hui en DVD, Millennium est une série qui étend, prolonge l'univers de Mulder et Scully tout en développant sa propre mythologie, bien plus sombre, empreinte de sociétés secrètes et de serial Killer. Je laisse Briac vous en parler, bonne écoute Alors, Millennium, ça a été écrit par Chris Carter, donc le créateur d'X-Files, qui en 1996, donc la X-Files avait beaucoup de succès. Et la Fox lui dit, bah, fais une autre série pour nous, on sera vraiment content. Et euh, Carter, il a plusieurs idées. Euh, sa première, c'est qu'en fait, il, 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 il disait qu'il arrivait un peu à capter à cette époque-là une espèce d'anxiété avec l'arrivée du nouveau millénaire, et il y avait beaucoup de théories sur la fin du monde. Et ça, ça j'ai rien de retrouver ça dans une série, mmh. et mélanger ça avec justement des enquêtes sur des séries killers parce qu'il était à fond sur Seven. En fait, il adorait Seven. Ok. Et, euh, Alors, genre... et on le comprend. On comprend. Et euh, même son... Quand le producteur qui l'aidait sur le pilote, il disait Mais c'est quoi ta série Bah, tu vois Seven Ouais, bah, c'est Seven. Et du <laughs> coup, il disait ça à la chaîne. Mais la chaîne est partante. Elle était partante là-dessus. Ils sont même allés chercher le chef décorateur de Seven pour le pilote. Ok. Donc, le pitch de Minium, en gros, c'est l'histoire de Frank Black. Qui est un profiler du FBI qui est joué par Lance Henriksen, donc Bishop de Annie ah ouais. pour les, les amateurs de, de la série. Euh, et donc, il y a un, un type qui donc, quitte le FBI parce qu'il trouve que ça, ça a un impact trop lourd sur sa vie de famille. Il a une, jeune, une, une fillette et euh, sa femme. Et il, il déménage de Washington à Seattle. Et en fait, là, euh, en secret, il va continuer à enquêter. Euh, bah je pense sur des tueurs en série comme e profiler Killer. Mm -hmm. euh, il est engagé par un groupe s'appelle le Millennium Group, qui est un groupe constitué d'anciens policiers ou d'anciens agents du FBI qui veulent en fait en gros affronter le mal en euh, par petite dose, justement, en menant des enquêtes. Ils disent si on peut affronter le mal dans le monde, en par exemple arrêtant des serial killer, on va aider le monde à être meilleur. Donc ça, c'est leur objectif de base. Alors c'est très marrant parce que, petite parenthèse, mais du coup, il y a quelques jours, on enregistrait un autre podcast ici même, et euh, PP faisait une chronique sur euh, la Vidox Society, qui est exactement ce genre de société euh, d'anciens policiers qui résolvent des crimes, mais qui existe vraiment. Quoi. Ouais, elle s'est inspirée d'une... Il y, y en a une autre aussi, alors je sais pas.. Le okay. Une qui, donne, qui existe dans l'FBI et qu'en fait Chris Carter avait rencontré en tournant ah, X-Files okay. et qui ça lui avait donné des idées. Et euh, la particularité de Frank Black, euh, c'est également d'être doté d'une empathie très 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 forte, qui fait qu'en fait il a par moments la capacité de voir ce que voient les tueurs. Il oui. voit le monde à travers leurs yeux et donc forcément ça se révèle être très important quand on mène des enquêtes. Alors le, le gros atout de cette série déjà, c'est Lance Henriksen qui est vraiment superbe, euh, qui est très grave, très imposant, mais aussi qui arrive à être très émouvant. Et je pense que c'est bah, le rôle de sa vie, hein. c'est vraiment un très très beau rôle pour lui euh, Quelqu'un qui est plutôt un second couteau au cinéma mm -hmm. euh, Mais il y a aussi, euh, dans son rôle, on retrouve Terry O'Quinn, le John Locke de Lost oui, justement, ça, oui, vu des euh, images. Qui joue Peter Watts, le superviseur de Millennium, qui s'occupe de Frank Black Alors ce n'est pas un aussi beau rôle que John Locke, mais c'est sympa et en plus il a une moustache Donc c'est ah, fort sympathique Fallait croire que <laughs> ça <Et> je... <laughs> Cette première saison elle est okay, très sympa, c'est une ambiance vraiment sombre, euh, très forte, et c'est assez violent pour l'époque, hein, pour 96 aussi, on est sur la Fox, hein, on n'est pas sur HBO encore. Et une belle mise en scène avec des petites touches de surnaturel, surtout à mesure qu'on apprend plus sur le groupe Millennium, parce qu on qu'on commence à découvrir d'autres choses sur ce groupe-là, je ne vais pas en dévoiler plus, mais ce qui m'intéresse euh, véritablement, euh, et pourquoi j'ai envie de vous parler de Millennium, c'est la seconde saison. Parce qu'en fait, dans la deuxième saison, euh, Chris Carter était occupé sur le film Mixed files donc le premier film, qui s'appelle Fights of Fight Future, je crois. Et donc il va chercher d'autres scénaristes d'X-Files, ça peut être Glenn Morgan et James Wong qui sont aussi je crois les créateurs de la saga euh, Destination Finale. finales, c'est pas le, ce qu'ils ont fait de mieux, mais sympathique. Et euh, il leur dit ben voilà, faites, faites une deuxième saison. Et eux ils, ils se disent ah la première saison ça manquait d'humour, on va rajouter de l'humour. Donc déjà ils vont chercher le frère de Glenn Morgan qui s'appelle Darren Morgan qui était le spécialiste des épisodes à humour d'X-Files, qui a fait de très beaux épisodes assez méta souvent. Donc il en produit deux pour cette saison-là. Mais ils vont aussi beaucoup plus aller dans le surnaturel, et notamment en examinant un petit peu le groupe Millennium et en racontant son histoire. Alors c'est là que la série connaît quelques problèmes, parce que ça part vraiment dans tous les sens, et euh, on ne sait même plus ce que c'est vraiment le groupe. Alors en fait, ça a été créé en l'an 10 après Jésus-Christ. Ah, mais il y a deux factions. Ah, en fait, non, c'est le FBI qui l'a repris. Ça <laughs> part dans tous les sens, mais finalement, on se retrouve dans la position de Frank Black, qui ne comprend plus, qui, qui essaie de savoir euh, ce qui se passe. Et ce petit problème de cohérence, mais en fait, il vient aussi du fait que la série, elle essaie tout. En fait, on a une variété de styles et de genres totaux. Toto Total mmh. Mmh. Pendant euh, cette, cette deuxième saison, on a donc des épisodes à humour, on a des épisodes avec des démons. On a des épisodes avec euh, y a une ville où d'un coup il y a des chiens hyper malfaisants qui commencent à terroriser la population, il faut s'en occuper. Enfin, ça, ça part dans tous les sens, mais c'est absolument génial. Et euh, sur ce point-là, moi ça me rappelle en fait vraiment... Enfin, euh, je pense que ça rend l'héritage d'une série comme Le Prisonnier, de Patrick McGowan, la série de, de, des années 60, qui était une série qui justement avait une formule, mais changeait complètement de genre euh, à chaque épisode. On, on, on bouleversait complètement l'univers, et en même temps on gardait une espèce d'unité qui faisait qu'on restait dans le prisonnier, mais on pouvait faire tout ce qu'on voulait avec. Mmh. C'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi dans les années 80, avec une série comme Claire de Lune, avec Bruce Willis et Sibyl Shepherd. Et je pense que Millennium, c'est vraiment une des belles représentantes de ça dans les années 90, avec peut-être les séries du Buffyverse. Et c'est intéressant parce que maintenant, plus les séries deviennent feuilletonnantes, moins on a ce genre d'expérimentation au sein de l'épisode, de se dire oh, qu'est-ce que nos séries peuvent être d'autres, quel, quel autre genre on peut aborder avec ce même univers et alors le problème, c'est que donc il y a une excellente, donc, une excellente fin de seconde saison, parce qu'en fait Morgan et Wong pensaient que la série serait annulée. Ils ont dit oh, on va faire une fin complètement dingue, c'est apocalyptique. Il y a dix euh, minutes de vision complètement hallucinatoire d'un personnage avec euh, derrière Orsès de Patty Smith. Et c'est probablement ce que j'ai vu le plus expérimental à la télé américaine avant le, la saison 3 de Twin Peaks. D'accord. Ouais. Et euh, donc la fin super belle, très très sombre. Sauf que finalement la série était renouvelée. Chris ouais. Carter est revenu. Il a dit à Wong et Morgan, oh non j'ai pas aimé ce que vous avez fait cassez-vous et il a, il a essayé de revenir vers le ton de la première saison en faisant du groupe les les méchants et c'est bah, moi c'est une saison que j'aime vraiment pas beaucoup alors il y a ses défenseurs mais il y a Quelques épisodes assez intéressants. Et finalement, on a une conclusion de l'histoire euh, dans la septième saison d'X-Files, après l'annulation de Millennium. Il y a un crossover où on retrouve Frank Black et le groupe Millennium. Et on essaie de conclure cette intrigue-là. problème étant que c'est pas un super épisode d'X-Files et c'est vraiment pas une super bonne fin pour Millennium. Mmh. Le seul avantage de l'épisode, c'est qu'il y a le premier bisou entre Mulder et Scully. Voilà. Ouais. Si, si vous êtes un shipper euh, Scully Mulder, voilà l'intérêt. Euh... Oui, c'est presque ça. ça c'est même quasiment fou du coup d'avoir associé ce moment peut-être euh, que les gens attendaient beaucoup à, à la conclusion de cette autre série. Bah, c'est enfin, du fait... fanservice euh, voilà. bas de gamme quand même. Bah, ils ont, en fait, ils se sont dit on ne peut plus faire notre, finir notre histoire, on va essayer de la caser non de là, mais ils n'avaient pas le temps vraiment d'en faire quelque chose. Et donc, c'est une série, je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas assez, mais je pense qu'elle a eu un rôle important, je... notamment des séries comme Fringe, ça m'étonnerait en tout cas que les mecs n'y aient pas pensé quand ils les ont écrites. Et il y a même des séries qui ont fait des références, euh, par exemple, je pense à Hannibal de Brian and follow Où euh, Lance Eriksen vient faire un caméo. Mmh. Or, Hannibal, l'histoire de base, c'est la même en fait que Millennium, c'est un profiler qui a une empathie surnaturelle, qui arrive à se plonger dans la tête des tueurs en série. Donc, ce caméo, pour moi, c'est forcément une référence en partie à Millennium. Donc, Millennium, c'est une série qui est, bah, vous l'avez compris, euh, assez imparfaite, mais quand même vraiment fascinante, et qui essayait de, nous, de, de se mettre à la place des tueurs et de les comprendre. C'est-à-dire qu'on les, les juge, bien sûr, parce que c'est des personnes qui tuent des gens, mais on essaie vraiment de comprendre ce qui se passe pour que la société euh, les pousse à commettre ce genre d'actes d'où viennent ces pulsions et finalement euh, c'est une série qui est assez gore mais qui est jamais putassière et en fait on fait preuve d'empathie envers ces tueurs donc ce qui est intéressant c'est que la série nous met à la place même du profiler, du héros, on commence à éprouver de l'empathie, comprendre leur vision du monde pour comprendre comment ils en arrivent à faire ces actes là donc voilà, donc je vous conseille Millennium, mais de vous arrêter à la saison 2 si vous, si vous arrivez à vous arrêter là parce que souvent on a envie de voir la suite. Et... Ah tu, con tu conseilles vraiment de pas regarder en entier Moi je conseille de s'arrêter à la 2 qui fait une fin une fin okay. très dure mais euh, une fin D'accord. Et à ton avis, pourquoi est-ce que c'est pas resté dans la postérité bah, Parce que. Parce que vraiment, excuse-moi, je te coupe, mmh. mais vraiment, tu, tu l'as dit rapidement encore une fois, mais c'est vraiment absolument. Moi, je découpe cette série avec toi, euh, tu m'en as déjà parlé, mais Guillaume, pareil. Mmh, aucune idée, je, sais, hein. je sais pas si les gens connaissent vraiment cette série. Alors, y a... Alors que les séries années 90, y a plein... tu parlais de Buffy, il y a plein de gens qui regardent Buffy, je sais même pas si ça passe pas encore à la télé parfois, tu vois, sur des mmh, chaînes obscures. Euh, Millennium, jamais qu'est-ce qui fait que. Tu dis Millennium, tu, bah, tu penses au bouquin. Bah, euh... Effectivement, il euh, y a eu d'autres noms qui ont, qui ont été mm -hmm. repris depuis, mais à ton avis bah, Tout simplement parce qu'elle n'a pas eu un gros succès. Elle a eu un gros succès euh, critique, en fait, quand elle est sortie, mais jamais vraiment beaucoup d'audience. Et je crois que tout simplement, elle n'est jamais vraiment restée. Même quand elle était en train d'être diffusée, c'est pas grave parce que les gens regardaient beaucoup. Encore moins en France, je crois qu'elle a été diffusée en France, mais alors je ne sais plus dire sur quelle chaîne. Mm -hmm. je crois que c'est ça tout simplement et c'est aussi une série qui est finalement très très ancrée dans les années 90 dans son esthétique euh, dans ses références musicales euh, beaucoup de Nine Inch Nails on est et puis en plus avec cette histoire de bah, on a peur de la fin du monde pour l'arrivée de, de l'an 2000 donc c'est vrai que ça ça peut dater la série aussi pour certaines personnes quand ils vont pas rentrer dedans ouais. voilà après c'est toujours difficile de dire ce qui ce qui fait que quelque chose une de série marche ou ne marche pas mais euh... Guillaume, as un truc à... Ouais, non, je, ça me faisait penser du coup à, au schéma un peu des séries euh, dont on, on, qui fleurissent pas mal, ou en tout cas qui ont fleuri pas mal ces derniers temps euh, avec euh, un consultant euh, qui aide la police. Euh, on a vu Castle, on a vu Medium, on a vu etc. Est-ce que tu dirais que cette série-là un peu est un petit peu initiatrice de ce genre de choses, ou ça n'a vraiment rien à voir euh je ne saurais pas parce que je ne suis pas un expert exactement des séries euh, formulaires de ce type-là, mais je pense ouais. qu'il y avait d'autres séries qui étaient contemporaines qui déjà allaient peut-être dans ce mode-là. Okay. Parce que Minium, il y a vraiment un travail sur l'esthétique, sur l'ambiance, il y a vraiment une grosse mmh. violence hein, pour, pour une, une série de cette époque-là. Et ça, c'est plus maintenant qu'on va pouvoir en voir, voir l'influence. Enfin, je trouve que vraiment Hannibal se, se, se met dans la continuité de tu Effectivement, quand tu décris les deux, c'est oui. la même histoire. Est-ce que c'est pas un peu Millennium la série préférée de, de ton showrunner préféré Tu vois ce que je veux dire C'est un peu ce qui, ce qui va donner les origines, oui. mais qui n'est absolument pas connu du grand public. La, la, Ou alors très très peu. La série de ceux qui font des séries, ouais. tu veux dire. Bah, Peut-être, mais c'est vrai qu'en même temps, euh, je n'ai pas forcément trouvé beaucoup de témoignages de, de showrunners justement faisant référence à Millennium c'est finalement assez rare c'est pas comme par exemple Twin Peaks où euh, quasiment tous les showrunner actuels vont dire ah oh, Twin Peaks j'adore Twin Peaks quand j'ai vu Twin Peaks je me suis dit ça y est, ça, est mm. les série c'est de l'art Millennium non c'est très rare moi ce qui m'avait surpris par exemple c'est d'avoir vu euh, je crois que c'était un interview de Alain René où il parlait de Millennium et il disait ah ouais ah, le générique il est super et en fait c'est quand il a entendu la musique du générique donc, qui est fait par Mark Snow le compositeur aussi d'X Files qu'il a décidé d'engager Marx No. Et Marx No, il a fait tout, tout, toutes les bandes-son de la, la fin de carrière d'Alain de, de René. Mais Alain René avait des références américaines, mais des trucs hyper avant-gardistes, par rapport à nous du coup de maintenant. Mais effectivement, il a été euh, vachement inspiré euh, de, de beaucoup de choses. Euh, et comment toi est-ce que tu en es venu justement à cette série lors des recherches. Ça fait euh... un moment, mais je crois que oui, j'étais en train de regarder X-Files et puis j'ai commencé à regarder un peu le, ce qu'avait fait Chris Carter et je suis tombé sur cette série-là. Puis le, le pitch m'a intéressé et du coup, je me suis lancé. Alors, à, à trouver en France, c'est assez simple en trouver en DVD euh, d'occasion sur des sites euh, mm -hmm. d'occasion. Euh, neuf, souvent, c'est un peu cher parce que ça n'a pas été réédité, mais ça se trouve euh, d'occasion. C'est dommage par contre qu'il n'y ait pas de, un transfert Blu-ray. On aimerait bien l'avoir en HD. Ouais. Et bon. Et dernière question, euh, est-ce parce que euh, tu en as parlé rapidement, mais le, le, le fait que ce soit le même monde que X-Files, c'est extrêmement rare, non Dans une série, euh, je, moi j'ai pas beaucoup d'exemples, ou alors quand c'est assumé, évidemment. Bon. J'ai pas d'exemple qui me vienne, mais est-ce que c'est quand même. D'un point de vue juste production, etc., tu vois, pas forcément de l'intrigue, c'est quand même quelque chose de rare, non C'est plus ou moins rare. Après, il y avait déjà ça euh, dans certaines séries des années 60 qui étaient euh, bah, des spin-offs, en fait, donc forcément il y a le même univers. Mais il euh, y a ça aussi finalement. c'est le... pas un spin-off C'est pas un spin-off, voilà. En fait, c'est juste deux séries du même créateur qui fait des petites références. C'est un en fait. Voilà, et à, finalement, ça finit sur un crossover. Disons que je crois qu'il y avait une. Genre, je me trompe peut-être, mais je crois que dans un des premiers épisodes de Millennium, on peut voir Scully et Mulder à l'arrière-plan quand il est au FBI. Je suis pas sûr. J'adore les je, détails je, comme je ça souviens... dans les séries, les petites. Il apparemment un jour. Il ouais. va bien falloir que je m'y mette. Apparemment, il <laughs> fallait fourmis de, de ce genre de petits détails que moi j'adore. Voilà. Je. je, je, je... Je me souvenir d'un détail comme ça, mais je ne peux pas vous garantir, frère, revoir le, le début. Est-ce que regarder Millennium, ça apporte euh, une autre euh, vision du monde dx files Est-ce que ça l'agrandit ou est-ce que ça le, le travaille d'un certain aspect pas. ou pas forcément Pas forcément, parce qu'en fait, c'est le même monde dans le sens où ils se permettent de faire concentrer les personnages, mais les deux séries n'en ont en fait rien à faire de l'autre. Euh, C'est-à-dire que si euh, Millennium 10, c'est la fin du monde maintenant dans, mon, dans ma série, okay, ouais. euh, ils n'en ont rien à faire que... Ce, pas pour, ce ne soit pas le cas pour Mulder et Scully. Mmh. Et puis un peu des ans service, finalement. Oui, il y a de ça. C'est juste, bon, bon ils sont font plaisir. Ouais, quoi. Et puis, euh, parce que même, de toute façon, c'est des séries qui ont des sujets différents. Donc, euh, Millennium, les séries qui leur puissent ensuite euh, les prophéties, les sectes, les démons. Alors que il bon, y a du démon, mais il y a aussi non, toute l'intrigue sur les extraterrestres, la colonisation. Finalement, ça se rejoint pas vraiment. Donc, mmh. c'est difficile de les faire se rencontrer et de faire en sorte que l'une révèle des choses de l'univers de l'autre. Oui, alors, du coup, c'est Chris Carter qui a été très libre, en fait, de, de, dans, dans ces deux cas. C'est la fin de cette watchlist consacrée à la série Millennium. Merci à tous et à toutes de votre écoute. N'hésitez pas à écouter les trois watchlists consacrées à The X-Files pour compléter nos podcasts consacrés à l'univers de Chris Carter, mais aussi les excellentes séries d'épisodes des copains et copines du coin pop consacrées à Millennium et The X-Files et animées par le très connaisseur Gigi. N'hésitez pas non plus à vous abonner à l'émission spoiler sur votre fournisseur préféré de podcast et à nous mettre 5 étoiles. Et un petit commentaire si vous en avez l'envie, c'est clairement la meilleure manière de nous soutenir toujours en 2024. Merci à celles et à ceux qui l'ont déjà fait et à bientôt pour de nouvelles watchlists. Salut Bonus. Trax. Une bonne histoire, c'est souvent un bon personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres conteurs et continuer à rencontrer le succès. Comment Cthulhu, Dracula, Wonder Woman ou le Docteur réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes Ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast Au Panthéon des légendes. Avec une équipe d'experts différente à chaque numéro, on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs ou inspirés de faits réels pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure. Cléopâtre, Gérald de Rive, Morgane Lafay, Ilric de Meldibonnet, toutes et tous ont ou auront leur place. Rendez-vous très bientôt au Panthéon des Légendes, une émission disponible sur le flux dommage collatéral, un podcast du label. Bonus